Le cinéma, c'est avant tout une histoire d'amour entre un cinéaste et l'être humain dans ce qu'il a de plus touchant et de plus sincère au travers d'un regard protecteur. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui a choisi de se faire le porte-parole des héros du quotidien, des vrais guerriers de notre société tourmentée. Ken Loach est un cinéaste d'origine anglaise qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant pas loin de 50 ans. Un bon demi-siècle quoi. Il est un auteur emblématique de la production audiovisuelle britannique, un auteur ayant cherché à relater le combat de l'homme envers l'oppression et les affres de notre histoire pour nous conter de vraies aventures humaines. Loach, c'est celui qui a été officiellement nommé par les spectateurs comme le cinéaste du peuple, un auteur capable de regarder avec une tendresse mais également une brutalité confondante de froideur ce que l'homme est et se doit d'être au fil des époques face aux adversités de notre monde inégal. Le cinéma de Loach s'acharne ainsi depuis pas loin de 50 ans donc à compter avec force et crédibilité ce que l'homme se doit de devenir pour faire avancer la société. Les films de Loach peuvent se voir comme des chroniques sociales et sociétales profondes, mais également d'une universalité magnifique et impériale. Ce cinéaste est presque une anomalie dans la production internationale actuelle. Il est un de ces auteurs portant un regard unique sur le monde, un cinéaste composant son cadre comme un regard criant de véracité et de puissance sur ce que l'homme peut devenir s'il choisit de faire le bon choix et d'entraîner l'humanité derrière lui. Là où beaucoup de metteurs en scène reposent leur regard humaniste sur le parcours émotionnel que vivra le spectateur par rapport à ce personnage central, Loach choisit de faire bien plus et de faire de ce personnage le vecteur d'un message transcendant cette émotion, pour faire du décor sociétal le véritable vecteur de sens dramatique et émotionnel de l'aventure du spectateur et de ce héros. Si l'on se penche sur les films de Loach, on remarque que son travail repose sur un équilibre entre optimisme et pessimisme autour de notre société. Passant de la comédie au drame, d'époque en époque et de fatalité en promesse, le metteur en scène propose de regarder le monde à la fois avec espoir, mais également de prendre du recul sur sa froideur. Beaucoup de cinéastes cherchent pendant longtemps à aider l'homme au travers de leurs œuvres, à porter un regard sur l'humanité qui puisse à la fois lui laisser une place profonde pour la faire réfléchir sur son statut, mais également lui donner de l'espoir, un espoir qui puisse l'aider à affronter le jour suivant et peut-être celui d'après. Loach a réussi à faire de son œuvre un regard profond et puissant, ainsi qu'évocateur, sur l'humanité en lui donnant un message positif, celui qu'en se réveillant aujourd'hui, on pourra peut-être aider son prochain demain et ne pas le laisser sombrer dans la pénombre d'une société qui pourrait le laisser perdu dans son coin, loin d'un regard réconfortant et plein de promesses. On semble voir aujourd'hui Loach comme un homme politique plutôt que comme un cinéaste. Mais dans un sens, tout geste cinématographique est un geste politique avant tout. C'est en cela que Loach est une anomalie. Il a la continuité parfaite de ce que se voulaient être certains des cinéastes français de la nouvelle vague. Le cinéma est politique et Loach l'a bien saisi. C'est ainsi que depuis 50 ans, il est un vrai auteur polémique, ainsi qu'un cinéaste de la société moderne, un rebelle cherchant à nous pousser à nous révolter de la bonne manière, sans chercher à renverser nos idéaux personnels, mais simplement à les aider à changer. Celui qui considère qu'aujourd'hui, remettre un prêt à Loach est un geste politique, ne cherche pas à regarder la profondeur de son cinéma et se contente d'être enfermé dans la société actuelle. Celui qui choisit de voir un prix remis à Loach comme une avancée politique est peut-être un révolutionnaire en devenir qui pourra changer les choses à sa manière et à sa hauteur finalement. Plonger dans le cinéma de Ken Loach, c'est accepter de se soulever contre les dictats de notre société et de chercher à renverser les barrières de l'autorité oppressante. Loach est un auteur emblématique de la production audiovisuelle, qui laissera une marque indélébile dans les esprits des cinéphiles, celle d'un combattant de l'image animée, prêt à tout pour nous sauver du silence.